Oh, amis nomades de France et d'ailleurs, aujourd'hui, je viens visiter Vézénobres dans le Gard. J'arrive à l'entrée de ce village médiéval par le pont sur le Gardon, où il y a également une petite guinguette où j'espère bien pouvoir aller déguster les produits du terroir. Voilà, allez, je vous envoie quelques petites images. Là, je suis à la table d'orientation de Vézénobres, point culminant de ce village. À vos pieds, le confluent des gardons d'Alès et d'Anduze, avec d'un côté les collines où se nichent les villages de Cassagnol, Maruijol, les gardons Houssain-Bénézet, et de l'autre côté les garrigues que domine le mont Bouquet du haut de ses 619 maître. Ici, au milieu des maisons romanes, vous trouverez tous les commerces qui intéressent les touristes, crêperies, restaurants, magasins de souvenirs, et j'en passe. Vous serez certainement obligé de vous arrêter et vous trouverez ce que vous cherchez, je n'en doute pas. Ici, une belle vue sur la plaine en redescendant de la table d'orientation en direction du village. Petite promenade dans les rues avec une vue sur les maisons romanes datant normalement du XIIe siècle. Voilà, je vous laisse admirer ces belles maisons en pierre. Une vue de nuit de l'endroit où j'ai stationné mon camping-car sur une petite place à côté d'une boulangerie où je suis vraiment tranquille. Voilà, maintenant je vais aller faire un peu la fête. Je ne vais pas quitter Vézénobres et le Gard sans faire une petite fête au village qui sera ma dernière journée dans le Gard. Je remonte maintenant dans ma région. Cette vidéo vous a plu, merci de la partager, faites des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le pouce en l'air et sur la petite cloche en dessous de la vidéo, et merci de l'avoir regardée.